J'ai mal au ventre. J'ai la respiration coupée, j'ai les mains qui suent. Je crois que j'ai peur de monter sur mon cheval. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet un peu tabou en équitation, la peur à cheval. Et je vous propose un exercice pour remettre le pied à l'étrier. C'est parti! Bonjour les cavaliers, bienvenue sur Adada Mondado. Je m'appelle Aurélie Seguin, je suis monitrice d'équitation. Et sur cette chaîne, on parle ensemble des émotions du cavalier, de techniques équestres et de psychologie du cheval. Alors pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Aussi bizarre que cela puisse paraître, toutes les semaines, on monte sur le dos d'un cheval puissant, de près de 500 kg, particulièrement sensible et émotif, mais on n'a pas le droit d'avoir peur. Ou plutôt, on nous invite à faire comme si monter à cheval, ce n'était que des émotions positives et grisantes. Alors qu'en fait, tous les cavaliers ont un jour eu peur sur le dos d'un cheval. Cela peut être lors d'un galop non maîtrisé, cela peut être sur un départ en ruade ou encore sur un abord d'obstacle incertain. On a tous, au moins une fois, ressenti cette montée d'adrénaline, ce petit stress qui nous fait vibrer. Et c'est ça qu'on aime. Monter à cheval nous fait l'effet des montagnes russes dans un parc d'attractions. On a envie de le faire, mais on appréhende. Une fois dedans, on a carrément la frousse. Mais quand on en ressort, on a envie de le refaire tellement les sensations ont été fortes. Mais il arrive que cette montée d'adrénaline soit aussi trop forte et que, après une grosse chute par exemple, la peur prenne le dessus et nous bloque, nous empêche de remonter à cheval à nouveau. Alors si c'est votre cas, si vous aimez plus que tout monter à cheval mais que vous vous sentez bloqué par la peur, je vais vous donner un exercice issu de ma formation Adrénaline qui vous permettra de faire un premier pas vers votre cheval. Cet exercice, c'est l'accueil et la reconnaissance de nos émotions. Au lieu de ravaler nos émotions et de serrer les dents, comme on nous invite à le faire souvent, je vais vous demander de raconter votre chute, de raconter votre peur sans la juger. Peut-être qu'à ce moment, vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas pour vous, que vous n'avez pas du tout envie de raconter votre peur, mais plutôt envie de passer à autre chose, de pouvoir justement remonter à cheval. Alors je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai eu une cavalière qui est venue s'inscrire dans mon centre équestre. Elle voulait reprendre l'équitation, mais elle avait peur. Et quand je lui ai demandé si sa peur était liée à une chute, elle m'a répondu « Oh, je sais pas, je n'ai jamais eu de grosses chutes, juste une fracture ouverte et deux ou trois traumatismes crâniens comme tout le monde. » Alors non, tout le monde n'a pas eu de fracture ouverte ni de traumatisme crânien. Et si votre chute était une grosse chute? Et c'est fou quand on y pense, parce qu'on nous a tellement appris en tant que cavalier à remonter aussitôt, à serrer les dents, à faire comme si tomber était une partie essentielle de notre apprentissage, que les cavaliers se retrouvent complètement déconnectés de leur corps. Ils ont vécu des traumatismes très violents et n'ont pas l'air de comprendre la peur qui les bloque. Le meilleur outil que vous puissiez avoir pour pouvoir progresser et avancer en équitation, c'est de reconnaître les moments où vous avez pu être en danger, les moments où vous vous êtes blessé, les moments où votre corps a été meurtri. Et d'arriver à se dire « c'est normal que j'ai peur de monter parce qu'il m'a fallu 6 mois pour remarcher après ma chute », c'est déjà faire un grand pas. Dans la formation Adrénaline, chacun peut librement et sans jugement s'exprimer, c'est-à-dire faire sortir ce qui est coincé à l'intérieur. Alors, j'ai conscience que dit comme ça, ça fait un peu alcoolique, anonyme, et peut-être que vous êtes en train de vous dire que ça ne marchera pas pour vous. Pourtant, les résultats sont très significatifs, et vous verrez qu'on se sent déjà beaucoup mieux quand on a pu raconter son histoire. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'avais un cavalier, Claude, en coaching, et il m'a raconté comment il est allé voir un de ses amis de longue date, avec lequel il avait fait des grands périples en randonnée. Il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit « Eh ben tu vois, on se connaît tous les deux depuis longtemps, alors j'ai quelque chose à te dire. Depuis quelques mois, j'ai peur de monter sur mon cheval. » Et ça lui a fait un bien fou. Et il m'a dit mais comment c'est possible? Comment ça se fait que je me sois sentie aussi bien juste après cette phrase? Ma réponse, c'est parce qu'on est aligné avec nous-mêmes. Parce que c'est très difficile d'être complètement tétanisé à l'intérieur de soi et de faire comme si tout allait bien en apparence. D'ailleurs, je vais vous dire un secret. Vous pouvez peut-être duper vos amis, votre famille ou même votre moniteur d'équitation, mais votre cheval, lui, il sait ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est très souvent inconfortable pour lui.
On n'y pense pas toujours, mais cela peut être un sacré fardeau à votre cheval pour vous porter avec toutes vos émotions contradictoires. Car un cavalier qui a peur est un cavalier qui respire mal, qui verrouille ses articulations et ses doigts sur les rênes. Donc l'exercice que j'aimerais que vous fassiez après avoir visionné cette vidéo, c'est de prendre un papier et un crayon ou de vous mettre devant votre écran d'ordinateur et de raconter votre peur. Vous pouvez soit la raconter pour vous-même, soit partager votre récit avec un ami ou encore laisser un commentaire sous cette vidéo. Et je vous promets que cela va vous faire un bien fou. Vous n'allez peut-être pas remonter à cheval aussitôt, mais vous aurez déjà fait un premier pas. Je vous invite ensuite à rejoindre la formation Émotion. Je vous mets le lien dans le descriptif. C'est une formation gratuite de 7 jours sous forme de podcast avec des fiches récapitulatives à imprimer et des exercices. Cette formation a déjà été téléchargée par plus de 1000 cavaliers. Alors pourquoi pas vous? Et n'oubliez pas de partager dans les commentaires. Allez, bis à vos dadous et à la semaine prochaine.